On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec des chutes de papier. Je vous avais déjà montré dans une vidéo mes rangements de chutes de papier. En fait, je mets tout dans des enveloppes où sur les enveloppes, il y a la couleur bleu, rouge, vert. Machin. Et là, donc, j'avais plein de chutes comme ça. Bon, je les ai retaillées dans l'épaisseur. Il y en a qui faisaient 2, il y en a qui faisaient 3, il y en a qui faisaient 2,2, 1,8, voilà. Et j'ai tout retaillé à la même largeur, donc 1,5 cm. C'était tous des... Ils ont été taillés dans la longueur, en fait, dans la largeur, je veux dire, du papier. Et je me suis dit qu'on allait faire une carte ensemble avec ces chutes de papier, parce que, franchement, il faut les utiliser. J'en ai encore beaucoup, donc j'essaye de trouver des idées vraiment pour utiliser ces chutes. Donc j'ai pris dans l'enveloppe vert et bleu pour faire une carte un peu masculine, parce que j'ai une carte d'anniversaire à faire masculine. Donc pour ça j'ai pris, donc c'est une base de cartes, donc ça fait 21 sur 10 quelque chose, je ne sais déjà plus, je l'ai fait les 3 minutes, hop, sur 14,5 plutôt, ça mieux, sur 14,5, voilà, ça c'est 21, plié en deux, voilà, les chutes de papier, donc c'est 1,5, et là on va couper à 10, mais je ne l'ai pas fait, on va le faire ensemble. Je vais utiliser ma perfo que j'adore, que j'appelle perfo étiquette de chez Stampin' Up, mon nouveau pad d'encre bleu nuit, ça c'est pareil, ça c'est une grosse chute de blanc, mais mur blanc que je vais utiliser pour faire l'étiquette. Je vais utiliser ce kit de tampon que j'ai pas utilisé depuis très longtemps et je crois qu'il n'est même plus au catalogue, mais bon, j'ai envie de l'utiliser. C'est ta journée, faites-la avec style. Voilà, pour aller avec du coup cette perfo. Et je vais utiliser une découpe avec le dies engrenage que j'ai fait sur un papier métallisé et double face. Voilà, et puis bien sûr, après le petit matériel, la colle, le bloc acrylique. Voilà, ça c'est ça pour l'engrenage des dies engrenage. C'est les poinçons engrenage de garage. Ça c'est les restes de chute. Donc on va tailler à 10 cm en fait pour que tous fassent 10 cm. Donc moi j'ai utilisé donc cette chute, j'ai utilisé en fait ce que j'avais vraiment comme chute de papier. Donc voilà, on va faire un style un peu, je vais vous montrer, parce qu'on va les coller. Un peu ce style de carte. Donc maintenant on va les coller. Je vais utiliser mon spray.
pour bien rattraper, parce que j'ai un teint un peu au travers. J'aurais dû faire une petite marque. J'aurais dû faire une petite marque au crayon. Voilà. Ça fait plus droit. Hop. On aurait dû faire une petite marque au crayon. Ça aurait fait plus droit. Oh, ça donne un effet un peu tordu. Bon, c'est pas moche. De toute façon, c'est une carte maison. J'utilise Faut vraiment que je ressorte mon petit touche à tout de mon sac. Parce que ça fait une semaine qu'il est dans mon sac. Et à chaque fois, ben, quand j'en ai besoin, ben, je ne l'ai pas sous la main. Et ça me manque. C'est pour mettre en dessous de l'étiquette. Donc c'est du double face. Hop. Donc voilà pour le fond. Vous voyez ? Et je vais faire l'étiquette. Ça, on va faire ensuite. Hop. On va utiliser cette tâche. On est faite là avec Style. Vous voyez, c'est les anciens pad, et du coup cela je n'ai pas mis les images derrière parce que je trouvais que ça collait moins bien, alors que les nouveaux je les mets à chaque fois. Et où mon... Ah bah là, chute. On va faire sur le côté. Eh ben j'ai bavé à recommencer. J'utilise donc la perforatrice, donc bien sûr on ouvre derrière, hop, ça ouvre la perfo. Hop. On appuie, on la referme. Elle est pliée, prête à ranger. Allez, on va faire... Je vais me la faire à la... À la 4. Vous dites, qu'est-ce qu'elle va faire la 4? Voilà.
une petite carte, une petite ficelle que je vais un peu couper là. Petite ficelle qui pend, des petites couleurs. Et vous avez une carte masculine avec que des chutes de papier pour le fond. Et voilà, à plus.